Je n'ai aucun voix sur cette musique jouée. Retour à l'envoyeur, les techniques de retour à l'envoyeur les plus fougueuses et les plus fatales. Ils ne verront pas la fin de cette année. Je n'ai aucun voix sur cette musique que je joue. Voilà, amis miens d'ici d'ailleurs, bonsoir. Je suis Mamou de la vie, votre fidèle et humble serviteur de l'évangile des temps modernes et envoyé. Le direct que vous écoutez s'appelle Les choses de la vie. Avec Mamou de la vie, voilà, nous allons parler des choses de cette vie. Afin, n'est-ce pas, de déchirer le voile de l'ignorance. Si je ne vois pas 500 patates, je ne parle pas. Retour à l'envoyeur. Les techniques naturelles les plus fougueuses et fatales. Aïe, 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 aïe. Tu ne laisseras point vivre ton sorcier. Mais on ne me dit pas comment je vais faire pour
pour tuer le bon sorcier, c'est écrit, tu ne laisseras point, on n'a pas dit pas, tu ne laisseras point vivre ton sorcier. Mais donnez-nous alors les techniques. Comment donc faire pour le tuer? On ne nous donne pas. Ils ont cassé. Partageons le direct, je vous en prie. Ça, je suis trop sérieux. S'il n'y a pas 500 partages, je n'ai jamais été exigeant. Quand je demande les partages, c'est parce que il y a quelqu'un au bout du monde qui a besoin d'une recette, hein, pour finir avec son sorcier. Partageons le direct. Moi-même, je m'en vais partager comme ça. Mais c'est faux. On est fatigué. Maintenant, c'est la saison sèche. Nous allons utiliser nos recettes pour faire le retour à l'envoyeur. C'est tout. Voilà. Je suis déjà en direct. Voilà. Voilà. Sur ma page Facebook, ou TikTok. Hein? Eh Dieu. Manu, partageons le direct. Non, aujourd'hui là. Pardon, je vous en prie. Quand je demande de partager, c'est parce que il y a un intérêt général. Ouais. Nous allons sauver des vies. C'est quoi? On est fatigué. Comment vous pouvez utiliser vos huiles pour faire le retour à l'envoyeur? Le haricot, les huiles essentielles, tout ça, on va parler. On va parler. On est fatigué. Ah, on va parler. On partage le direct. Ami Mendicé d'ailleurs, je veux les cœurs. Ouf. Partage le direct, voilà. Partageons, je vous en prie. Vous pouvez sauver des vies. Il y a peut-être une dame aux extrémités du monde, voilà, qui a besoin de cette information. Voilà, retour à l'envoyeur. Retour à l'envoyeur. Mais là, tu cliques même là. Le dictionnaire déjà prévu pour retour à l'envoyeur. Tu vas rester, quelqu'un va venir prendre ta vie, mélanger les techniques naturelles. Les techniques naturelles, voilà, les techniques naturelles, les plus fougoyantes, hein, les plus fougoyantes et efficaces. Je peux même dire fougoyante, mortelle, je ne sais même pas, fougoyante et puissante, voilà. 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 Sur ma page Facebook, je suis déjà en direct, je vais envoyer ça aux miens pour les inviter de se connecter. Voilà, connectez-vous, je suis déjà en direct. On est fatigué. Voilà, Bépa a partagé. Je le vois travailler. Bépa, je te vois. Que Dieu te bénisse. Voilà, connectez-vous. Le regard. C'est quoi cette histoire? Voilà, maintenant je partage. Voilà, on partage au direct. Je vois aussi le cœur en même temps. Voilà. 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 Je cherche le groupe des élus. Le groupe des élus. Voilà. Le groupe des élus. Aïe, c'est quoi cette histoire? Tout le temps, c'est nous. On prend, on fait comme on veut. On est là, on digère. On dit non, Dieu va faire nous que pas là. Non, je remets pour moi à Dieu. Dieu va faire. Non, 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 il n'y a pas ça, il n'y a pas ça. Lui-même, il a dit. Il a dit, c'est écrit. Tu ne laisseras point vivre ton sorcier. C'est écrit. Tu ne laisseras point vivre ton sorcier.
Je m'en tiens à ça. Je ne laisserai point vivre mon sorcier. Maintenant, je fais comment? Comment faire maintenant pour tuer le sorcier là? That is the question. C'est ça la question maintenant. On fait comment maintenant? Ah, il parle de pas les recettes. Aujourd'hui, là, on va parler de ça. Mon amour, celui qui m'a aimé, on a été en même temps. C'est quoi? Tout le temps, c'est nous, on prend mon nom pour faire à mon nom. Voilà, il manque un dernier groupe. Il manque un dernier groupe, excusez-moi. Il est fatigué. Notre vie n'avance pas. Il vient, il pompe nos énergies. Quand on donne la tête orientée à l'est, le matin, quand on se réveille, nos têtes sont orientées à l'ouest. On nous a tourné comme ça là. Non, c'est plus ça. Non, on ne peut plus l'accepter. On ne peut plus accepter ça. On ne peut plus accepter. Ah non. Non, c'est quoi? Ah. C'est quoi? C'est toujours nous, on vous prenait pour faire. Voilà, je crois que voilà. Toujours c'est nous. On prend nos noms. Hein? Il y a quoi? On dit non, tu ne laisseras pas vivre ton sorcier. Bon, et maintenant après on fait comment? Dites-nous comment on va faire pour chasser, pour tuer sorcier là. Vous ne nous donnez pas la recette. Vous ne nous dites pas comment faire. Bon, ami bien dit, c'est d'ailleurs, je crois que j'ai déjà fait ma part. On va attaquer le direct actuellement. Voilà. Bon. Voilà. Ceux qui sont dans le bout des yeux, voilà. Voilà. Amis bien disait d'ailleurs, une fois de plus, bonsoir. Je suis Manu de la vie, votre fidèle humble serviteur de l'évangile des temps modernes. Le direct que vous écoutez s'appelle Les choses de la vie. Voilà. Je voudrais vous présenter cet ensemble. C'est un ensemble bâtonné, voilà, vous voyez. C'est écrit Pacholi. Bon, beaucoup m'ont demandé, surtout pour ceux qui sont des élus du groupe, le groupe des élus, beaucoup m'ont demandé, papa, ben, il y en a qui ont fait, ils ont déjà le résultat. Parce que j'ai publié ça le 24 novembre dans le groupe des élus. Voilà, il y a 3 jours après, il y a une dame qui m'a appelé, je ne sais pas où du Sénégal, je ne sais plus où. Merci papa Malou, j'ai fait. J'avais une facture qui était bloquée depuis 4 ans. On m'a appelé pour dire viens chercher ton argent. C'est de ça qu'il est question. Voilà, c'est ça. Le pacholi là, voilà, c'est ça. Vous voyez, la couleur est verte. Lui, en huile essentielle, ça joue beaucoup de rôle. Vraiment, je dirais si non, c'était pas préparé. Je crois qu'on va remettre ça à lundi. On va remettre ce direct là à lundi. Parce que je ne peux pas faire direct. Il n'y a pas 50 et quelques partages. Il y a moins de 50 partages. Non, c'est pas normal. C'est pas normal. Comment utiliser ces urines? Pour toi, l'envoyeur, comment utiliser le sel? Tout ça là, les gens, bon, vous ne voulez pas. Bon, on va laisser. J'ai tout à faire. J'ai des scanners à faire. Donc, si vous-même vous n'êtes pas prêt, c'est un samedi.
c'est pas beaucoup, peut-être que beaucoup sont en train de regarder un match de football, voilà, peut-être beaucoup sont dans les maquis et bas, c'est pas leur problème. On va donc remettre, peut-être que je vais faire ce direct le lundi. Et je vais bien communiquer dessus, voilà, parce que là, vous n'êtes pas prêts. Voilà, vous n'êtes pas prêts. Bon, je vais quand même parler de, comment dirais-je, je vais parler de cette recette qui attire incroyablement le jeton, l'argent. Et c'est ce que la dame a fait, une vieille facture qui datait de 3-4 ans, on ne réglait pas. Elle a fait ça. Vous voyez l'ensemble patrouille. Il faut que je dois envoyer ça. Parce qu'il y a aussi mes représentantes à travers de l'Afrique qui ne peuvent pas avoir. Il faut que je pense. Déjà, on va commencer par le. Il y a de très bonnes nouvelles. Hein. On va commencer par le Bénin. Le Bénin, le Togo, Côte d'Ivoire. Voilà les expéditions en vue. Et Burkina Faso. Voilà, aussi le Libreville au Gabon. J'ai une sœur qui va quitter Libreville ces jours-ci pour venir visiter le centre pour 4 jours. Donc dès qu'elle arrive en même temps, elle commence son boulot. Et donc elle va rentrer comme elle va à Libreville. Et je vais profiter également pour envoyer le savon. Non, la vérité est quelque chose. Savon, on a fait là, c'est fini, hein. Des gens appellent seulement papa, maman, on veut ce savon là, papa, maman. Ah, j'ai fait comment C'est un savon que j'utilisais, ça fait longtemps. Je dis, voilà, ça sent bon. Quand tu vas à la banque, à peine on t'a remis le pied d'argent là, le pied de banque là. L'odeur de ça, c'est le même odeur. Avec le patchouli. Le patchouli. Tu passes à quelqu'un. Je vais te dire. C'est pas bon. C'est pas bien. Faut pas utiliser. C'est pas bon. Et maintenant, nos vies ne changent pas. On n'utilise pas, mais nos vies ne changent pas. On fait l'encombre maintenant. Tu nous. On n'utilise pas, mais nos vies ne changent pas. Maintenant, on dit non, ceux qui n'adorent pas Dieu, c'est un Dieu béni. Non, ce n'est pas le fait d'aller dormir à l'église qui est un problème. Mais tu sais qui dort. Et quand il fait ses rituels, il est avec toi. Non. Voilà, c'est ça. Regardez comment c'est. Non. Voilà. Ça sent bon. Oh non. Tu ne peux pas brûler ça à l'argent. L'argent est un esprit. Il faut faire. Fais tout ce qui est bien pour attirer l'argent. C'est un esprit. Sinon, lui là, il va te fuir. Voilà, voilà mon ami. Voilà, voilà pas chouler. Ça sent bon jusqu'à. Donc tu fais brûler. Il y a les bâtons, les trucs brûlés. Voilà, les trucs brûlés pour. Voilà, vous voyez, voilà, c'est prévu, voilà, donc vous mettez et vous brûlez calmement, ça brûle, ça ne va ni à gauche ni à droite, ça brûle, parce qu'il faut récupérer la cendre de ça, hein, qu'on mélange avec le basilic en poudre, et vous savez, il faut monter sur un immeuble pour faire le rituel, élus de, les élus là, voilà, c'est ça, voilà comment, voilà ça là. Donc quand tu brûles là, tu vois, quand ça brûle, tu vois, la cendre va tomber là. Tu enlèves ça, tu jettes, tu prends encore l'eau que tu mets, au moins 5. Ça brûle, après maintenant tu recueilles la cendre de ça facilement comme ça. Facilement, facilement. Ah mais la spiritualité, c'est pas béni avec quoi, il faut s'investir. Hein. Ça là, c'est le jeton. C'est le jeton. Tu vois, c'est fait seulement pour les encens en bâtonnets. Tu mets là et tu brûles. Voilà, ça finit, tu prends, tu recueilles et tu mélanges ça avec basilic en poudre. Bon, voilà, c'est ça. Ça, c'était pour les élus. Les élus, ils se reconnaissent parce que j'ai publié ces recettes. Papa, maman, c'est quoi l'ensemble patchouli? On va trouver ça au voici ça. Donc, je vais m'arranger pour que mes représentants
vous n'entrerez pas dans la nouvelle année. Mais il faut monter sur un niveau. C'est l'avantage d'être sur un niveau. Parce qu'il y en a qui sont voisins, quelqu'un de taille, ils croient que non, tu es là-bas, tu es pris pour du ciel. Ah, tu n'es pas là-bas par hasard. Donc il y a des rituels qu'on fait quand il faut être en monteur. Hein, soit sur une colline, voilà, mais comme on n'a pas de colline, voilà, on est obligé de 4e, 3e, 6e niveau, 7e, voilà, tu es là, tu fais ce rituel. Non. Si 7 jours après, il n'y a pas, papa Manu, tu es un menteur. C'est comme le savon. Hein? Depuis lundi, une dame a pris, ça a commencé à se laver, tout. Son mari qui voulait, mais j'ai t'avais mangé ce soir, ce samedi. Et j'attends les échos. Elle m'a dit, papa, maman, dès que je finis, actuellement, elle est au restaurant avec son mari. Le gars boudait une façon. Il dit, calme-toi. Oh, l'homme. Oh. C'est la chose la plus facile à voir. Bon, ami bien dit, c'est d'ailleurs, on va attaquer le tir. Rapidement, on attaque. Envoyez le cœur. Voilà, c'est ça, voilà, ça a patrouillé. Ben. Tout ce qui attire l'argent est toujours de couleur verte. C'est pour ça que vous voyez le dollar. Et ça sent bien. Prends l'argent, la banque. Le banquier vient de te donner l'argent. Sans l'odeur de ça, tu sens. Même chose. Il y a ça aussi avec mon ami Macagor. Voilà. Nous avons parlé, donc, je n'ai pas beaucoup. Je ne vends pas, hein. Je donne aux élus. Non, pas aux élus, à mes représentants. Il y a pour Ogré, il y a pour Nikou, il y a pour Christian, il y a pour qui encore? Il y a pour Elsa, il y a pour Suzanne au Sénégal. Voilà. Parce que vous qui êtes avec vous, cherchez l'original. Je vais vous montrer comment on fait pour avoir l'original de ça. Parce qu'il y a le faux. Comme les gens savent que. Voilà. Hein, les gens savent que ça marche pour que tout. Il y a le faux de ça. Je vais vous dire comment faire pour connaître l'original. Propre. Non, moi je veux dire. Bon, parlons de nos choses. Ami bien dit, c'est d'ailleurs bonsoir. Nous allons parler ce soir comment vous pouvez utiliser. Vous pouvez utiliser, tu vois, son couvert. Parce que l'odeur de ça ne doit même pas te quitter. Pas joli. Voilà, tu as fini, tu prends, tu fermes. Dieu. Maintenant, l'huile essentielle de ça, tu prends seulement ça dans ton porte-monnaie, tu fais comme ça. Non. Les gens se complètent pour avoir l'argent. C'est la chose la plus facile. Plus facile. Quelqu'un m'a dit, mais papa, maman, vous n'êtes pas venu. Les gens font parler de l'argent. J'ai dit, ah bon. Donc, pour savoir que j'ai un peu là, il faut voir ma voiture. Non. Je n'aime pas. Je n'aime pas la voiture. J'ai demandé l'avion à Dieu. Il dit, il y a une chose que tu dois faire. Si dans ton enseignement, tu as ressuscité, un mois a été ressuscité, tu donnes l'avion. Il dit, ah, je prie. Toi aussi. Avec tout ce que je fais là, j'ai même dans la Congo. Veneuse, ça ne finit pas. Plus de 100 scanners à faire, ça ne finit pas. Toi encore, tu vas me mettre à micro. Oh Dieu, c'est pas bien. Bon, en tout cas, on va venir le contrat. Donc, ami bien d'ici, d'ailleurs, une fois de plus, bonsoir. Je suis Manu de la vie, votre fidèle humble serviteur de l'évangile des temps modernes et embrouillés. Le direct que vous écoutez s'appelle Les choses de la vie. C'est un espace vidéo que nous avons créé pour déchirer le voile de l'ignorance. Ce n'est pas pour faire autre chose. Déchirer le voile de l'ignorance. Parce que l'ignorant n'a jamais sauvé quelqu'un. L'ignorant, tu ne peux pas être ignorant et être heureux. Ce n'est pas possible, ça ne va pas. Tu ne peux pas être ignorant. Et croire que tu vas. Non, ce qui a une autre force qui te gouverne, qui est au contrôle de ta vie. L'ignorance ne sauve pas. L'ignorance nous a. Nous rend esclaves. Alors que la vérité, c'est ce que je viens vous donner. Je vais vous donner là. Donc, ce sont des techniques les plus dangereuses, les plus fatales, les plus foudroyantes. De retour à l'employeur. Je ne sais pas, peut-être actuellement c'est l'hiver en Europe là-bas. Moi, je sais que actuellement là, nous sommes en Afrique, il y a beaucoup de soleil. Voilà, il ne pleut plus comme avant. Donc, ce sont des recettes propres avec l'huile d'olive, la bougie noire, les urines, les huiles essentielles. Voilà comment les prières, les psaumes,
les feuilles d'arbre, de tout ce qui est naturel, le sel, comment vous pouvez prendre tout ça pour faire ce qu'on appelle le retour à l'envoyeur. Alors, le retour à l'envoyeur, c'est quoi en fait? C'est une action, ça peut être par la prière, mais parce que le retour à l'envoyeur est différent de vengeance. Parce que je m'en vais me venger, on t'a giflé si je me venge, c'est différent. Ça là, je fais le retour à l'envoyeur. Ça veut dire que tu as reçu une décharge négative, tu as reçu une énergie négative. Il existe 200 une flèche. Peut-être il y a des flèches mortelles. Quand on envoie, chup, ça prend, ça te met KO en même temps. Voilà. Il y en a qui vient, ça vient te titiller un peu. Donc, retour à l'envoyeur veut dire, je suis resté. On a envoyé une décharge énergétique qui est négative. On a envoyé force négative sur moi, dans le but de me nuire, dans le but, n'est-ce pas, de me fragiliser, dans le but non seulement de bloquer ma vie, de faire en sorte que l'argent n'entre plus, de faire en sorte que je tombe malade, de me tuer pour un accident, d'envoyer une plaie inguérissable sur moi. Voilà, tout ça là. Retour à l'envoyeur me dit, moi aussi je vais faire quelque chose, que ce qu'on a envoyé sur moi là, ça retourne à celui-là qui a envoyé. C'est tout. Le mot est simple. Retour à son envoyeur, retour à son expéditeur. C'est comme une lettre que tu reçois. Hein? La lettre a été écrite, mais il n'y a pas de comment on appelle, d'expéditeur, il n'y a pas son nom. Le nom de l'expéditeur, il n'y a pas. Maintenant tu lis la lettre, c'est la maladie. C'est les grossesses, les fausses couches, tout ça là. Mais tu dis, mais c'est fou. Et maintenant, je dois aussi faire le retour à l'envoyeur. Que celui qui a pris mon nom pour aller faire ce qu'il a pu faire, que ce mal-là le retourne, lui-même va. C'est quand ça rentre, c'est trouble. C'est ça, Dieu dit à moi la vengeance. Mais c'est à toi la vengeance. Mais qui est Dieu? Moi, je suis Dieu. Tu es Dieu? Oh Dieu, tu ne laisseras point vivre ton sorcier. Donnez-nous alors comment on va faire pour tuer sorcier là, vous ne nous dites pas. À cause de quoi? Tout est dans la divine nature. Je vous préviens, chaque fois que vous avez une discussion en famille, vous êtes resté pour un biais, parce que bon nombre de scanners le résultat. Je ne vois pas les cœurs. Qu'est-ce qui se passe? Il n'y a que Junior Amando qui est connecté là. Je ne vois pas les cœurs. Il y a quoi? Et vous me privez des cœurs, j'ai fait quoi? Je vous ai fait quoi? Envoie pas les cœurs. Ah tiens, ça encore je vais demander pardon pour ça. Hein? Vous voulez qu'on signale le direct? Envoie les cœurs. Ouais, vraiment. Mais c'est le portable qui fait ou bien c'est quoi? Hein? Avant là, les cœurs défient comme ça. Quoi. Maintenant là, c'est bloqué. C'est quoi même? Eh Dieu, soudain. Ouh, l'homme se souffle. Oh. Bon, moi, je vais partager que là. Voilà, je partage. Et Dieu. Hein, ce messenger. Ah ouais, d'accord, on va quitter sur ça. Ah. Bon, vous n'avez pas le cœur, c'est pas grave. Donc Camille me disait d'ailleurs, comme je disais tantôt, retour à l'envoyeur, c'est un peu ça. Il n'y a pas autre chose que ça. Ça veut dire que ça ne va pas. Je suis bien conscient qu'on a touché à ma vie. Quelqu'un a pris mon nom. Et comme je disais tantôt, le scanner spirituel, beaucoup s'attendent à ce que tu vas dire dans le scanner que oui, en janvier 2022, tu avais discuté avec quelqu'un, ou bien quelqu'un t'avait giflé, ou bien tu avais connu ton prix. Non, ce n'est pas des détails importants. Est-ce que à la suite de cette discussion, tu as eu des sérieux problèmes et qui constituent le blocage, ta maladie, rien ne va dans ta vie? Parce qu'on ne vient pas se faire scanner. Celui qui sa vie donne là, il ne se fait pas scanner. Tu te fais scanner parce que tu sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans ta vie. Alors maintenant, pour en savoir plus, tu demandes au scanner et le scanner va te dire pourquoi ça ne va pas. Voici la cause. Dans les détails. Il y en a, c'est à la suite d'une discussion familiale, et maintenant
tu as dit des mots devant tes parents, devant tes oncles, tes tantes, tout et tout, parfois même sur les biens, ou bien une discussion parce qu'il y a eu deux problèmes, un problème qui oppose deux membres de la famille, tu as soutenu tel au détriment de l'autre, c'est là décide l'autre que décide carrément. Donc, non, tant que ce que tu as fait n'est pas bien, moi j'aime dire la vérité ou je te permets. Je ne sais pas une raison de ne pas dire la vérité, dire la vérité. Maintenant il rentre et il va faire ce qu'il va faire maintenant pour t'étouffer. Désormais, ta vie, au lieu d'être le ciel, devient un véritable chaos, un véritable enfer. C'est de ça qu'il est question. Le scanner, c'est ça. Ça n'a pas dit oui. Tu avais enceinté une fille, elle était venue te gifler, ça ne te sert à rien. Si dans le gifle, là, il n'y a pas eu de blocage, il n'y a pas de souci. Voilà. Donc, amis bien d'ici, nous parlons de ça, le retour à l'envoyeur. Je le dis toujours, chaque fois que vous avez des discussions, une discussion avec quelqu'un, et le ton s'élève, la personne dit, tu vas voir, je ne suis pas content, mais en tout cas, tu vas voir. Non, dès l'instant, à cet instant-là, c'est comme si tu déclenches ton ami. Tu mets ton ami céleste et spirituel au boulot. Parce que comme on te dit, tu vas voir là. On ne dit pas ça en Afrique, tu vas voir. Et ça arrive. Quand il dit déjà, tu vas voir. Dis-lui que tu veux. Tu vas voir le double de ce que moi je veux voir quand on me voira. Ah, c'est parole contre parole. Yannick, non. Mais je te fais voir, non. Pourquoi tu es non? Non. Tu vas voir. Tu me dis, je vais voir. Ce que je vais voir, tu vas voir le double de ça. Lui me comprend que tu as compris ce qu'il veut dire. Ah oui, si c'est sur le plan mystique, vos urines peuvent vous aider. Le même soir, dès que tu rentres, si cela s'est passé le matin, le soir, en dormant, prends déjà des dispositions. Parce que la parole, là, elle a été atteinte. Maintenant, si tu as dit non, je vais pour moi à Dieu. Et si le mal m'arrive, c'est Dieu à vous. Non, on n'est plus dans ça. Voilà, amis bien tissé d'ailleurs, je vous en prie. Chaque fois que vous êtes dans une situation pareille, le haricot vert, le haricot noir autant pour moi, le haricot, comment là, le noir là, dès que tu descends à la maison, si tu as ça, amis bien tissé d'ailleurs, prends un grain de haricot noir, tu avales. Ça c'est facile, non? Mais c'est au cas où. Où tu sais que ce qui s'est passé là, je sens que non, ça va chauffer les heures qui arrivent là, ou bien là où je me trouve là, je suis sûr qu'il y aura le feu. Non, même au village, je m'en vais au village, papa, maman, j'ai 24 heures à passer au village en 8 heures, tu me fatigues pas. Et je coupe, ça veut dire je suis en ligne. Ah, je me fatigue pas, le haricot noir, je mets. Quiconque tente de venir, et tant que l'alcool est encore dans ton ventre, non, il va l'hiver. Ça, c'est le problème. Maintenant, avec les urines, j'avais même déjà fait un direct sur ça. Comment vous pouvez utiliser vos urines pour vous barricader en même temps? C'est-à-dire, pour faire le retour à l'envoyeur. Donc, ça, c'était la première technique. Ami bien dit, c'est d'ailleurs, parmi les huiles essentielles, il y a deux huiles. Qui ont ces vertus là, hein? Le retour à l'envoyeur, je crois c'est l'huile essentielle de rose et l'huile essentielle de santal. Voilà, santal, l'huile essentielle de rose et l'huile essentielle de santal. Les huiles essentielles sont un peu comme ça, comme vous voyez là, les petites bouteilles. Voilà, ça n'a l'air de rien, mais mon Dieu. C'est la magie. Quand tu donnes le prix d'une huile comme l'huile essentielle ou non, ça voisine entre 25 000 et 35 000 francs. L'huile essentielle ou non. Donc, il y a ces deux huiles-là que vous pouvez utiliser pour faire le retour à l'employeur. Voilà, l'huile essentielle de rose et l'huile essentielle de santal. Ça, vous commencez, c'est sous forme de pain. C'est-à-dire, vous devez faire pendant 7 jours. Un samedi, soir, vous avez pris votre bain, normalement. Après, vous prenez, vous mettez de l'eau dans un seau, vous prenez quelques gouttes de l'huile essentielle de rose, quelques gouttes de l'huile essentielle de santal, vous mettez dans l'eau et vous vous lavez avec.
Voilà, vous vous lavez avec. Maintenant, avant ça, vous pouvez formuler vos voeux que tous ceux qui ont pris mon nom pour aller m'abouter, pour aller pour abouter, pour faire tout, hein, qui ont envoyé mon nom, mon habit, mais mon argent, ma photo, pour m'envoyer ce mal, pour m'envoyer ce sort, cette maladie que je souffre. Je renvoie cette maladie, je renvoie cette plaie, je renvoie cela. 7 jours, attendez après les 7 jours de paix. Mettez, soyez seulement comme ça. Attendez les nouvelles. Dès que tu apprends dans la famille que tel est mort, s'ils étaient même 20, celui même qui a eu vent de ça, non, ça ne laisse pas. Hein? Ça ne laisse pas. Maintenant, il y a aussi la pierre de tonnerre. Ah, j'ai laissé ça dans ma chambre. J'en ai quelques-unes. Il faut aussi que j'envoie ça à mes filles. Parce que je ne peux pas accepter que mes filles, mes représentantes, hein, on les prend pour faire chocolat. Non, elles doivent être à l'image de leur père. Ah, voilà, c'est de ça qu'il est question. Donc, je vais envoyer la pierre de tonnerre à chacune de mes filles. Ça, c'est à travers le monde. Parce qu'on ne peut pas. Pierre de tonnerre, tu portes ça sur toi. Aïe! C'est la magie selon moi. Maman Clarisse, je n'ai pas pu envoyer le colis. Oh my God. Parce qu'il y avait des éléments qui manquaient, mais je crois que je serai prêt d'ici lundi. Oh my God. Il faut préparer des kits, des colis à expédier en France, aux États-Unis, au Canada, en Suisse, en Belgique, tout ça là. Il faut que ma main soit dedans. Et en même temps, il faut faire scanner au moins, je peux dire, 30 scanners par jour, pas par mois. Donc, un jour, prends. Quelqu'un est venu me voir, j'ai dit, prends. Premier portable, regarde le nombre de messages, 1604 messages non lus. J'ai dit, voilà le deuxième portable, 2035 messages non lus. On additionne les deux, ça fait 3000. C'est pas la mort de quelqu'un, ça. Même si je prends une minute, ça fait 3000 minutes. Je vais prendre 3000 minutes. 3000. Donc, arrêtez à ne rien faire. Toi, bien, bonjour. Quand je dis un message, une minute, dans ça, dans les 3000, il y a au minimum 10 expéditions, 10 envois d'argent. C'est un minimum dans 3000, il y a au moins 10. Beaucoup, c'est ton argent parti. Il faut que les gens comprennent. Si j'ai déjà pris, tu as envoyé ton argent de scanner, je suis allé jusqu'à prendre. C'est, dis-toi que 50% de tes problèmes sont résolus. C'est que les gens ne comprennent pas. Ce qui nous lit, c'est la spiritualité, ce n'est pas les banques de mèche, des make-up. Non, c'est là. Quelqu'un qui envoie son agent, ça retourne. Il envoie encore, ça retourne. Ça ne peut dire rien. Je prends, je dis, ok, j'ai compris, après j'oublie. Ça fait un mois. Clac, l'opérateur te rappelle. Ah non, votre bénéficiaire n'est pas allé chercher l'argent, voilà, c'est retourné, venez récupérer. Ah, papa, maman. Maintenant, j'ai déjà pris, j'ai déjà il a enregistré. Maintenant, tu dis, rembourse-moi mon argent. Non, c'est pas facile. Je le fais rapidement. Le jour où je vais faire dire que quelqu'un va me dire, tu as escroqué mon argent. Ah, papa, maman, tu es un menteur. Ah, je vais commencer à comprendre que la tentation a entré dans moi. Mais ça sera difficile, vraiment. Trop difficile. Voilà, donc, aidez-moi, c'est pas facile. Quand vous voyez l'ensemble unité là, on compose. Quand vous voyez l'ensemble qui chasse toute négativité là, c'est parce qu'on compose. Il y a le grammage, il faut mettre tel élément. Parfois c'est 5 éléments, comme le savon là, constitué de 12 éléments. Il faut mettre ça. Maintenant, maintenant ça passe. Maintenant tu peux donner à tes collaborateurs de faire. Maintenant d'en sachez. Vous voyez, si ça rate, ça devient un problème. Mais tout ça, vous ne comprenez pas. Tout ça sur la tête d'un homme. Je n'étais pas préparé à la chose, je le dis toujours, moi je suis honnête, je n'étais pas préparé. C'est comme quelqu'un qui ouvre un restaurant et dit je m'en vais vendre 10 plats par jour. Il va 10 plats là, sont finis. Il revient demain, il dit non, il veut augmenter 20 plats. Il coupe ses 4 clients devant lui. Voilà, madame, on a goûté le premier plat hier, ah, c'était très bon, on veut manger. Madame, c'est moi. Pour finir, elle ne pourra pas. Elle a prévu 20 plats. Qu'est-ce qu'elle doit faire? Elle doit jongler. Non, c'est celle-ci qui est venue la première prendre. Non, toi, attends un peu, il y en a dans la mamie, ça vient. Tout ça, le temps que ça prépare, le temps. Voilà là où je recours. Soutenez-moi, c'est pas facile, je vous en prie.
sans compter des combats spirituels à faire, des prières, des cas très très urgents à intervenir, tout ça sur la tête d'un homme. Mais vous croyez que c'est aussi pas. Il y a un homme qui m'a appelé, madame, ça fait 7 jours, j'ai pris vrai. J'ai dit, madame, voici, ça ne va pas, pardon, je ne le souhaite pas. Mais on ne peut pas m'appeler pour dire, papa Manu, tu as bien dormi. Même quand j'écris que je n'ai pas de l'eau, d'électricité, mon ordinateur est gâté, j'ai vu ceci. Non! Les gens, quelquefois, mais il y a de l'ingratitude. Hein. C'est vrai, je ne peux pas mourir pour tout le monde. Hein. Ah oui, c'est ça, je ne suis pas le Messie. Quelqu'un ne va pas t'appeler dès qu'on m'appelle là. Papa Manu, mon stade, c'est comment? Papa Manu, même demander que le monsieur là, est-ce qu'il vit, mais il a une vie normale? À cause de quoi des petits signes nous m'ont donné là? Non, sois sérieux. J'ai fait le scanner d'une dame, elle a pris, elle a commencé sa prière. Là, voilà qui fait ça. Les vidéos sont là, je ne peux pas manquer parce que je ne suis pas là pour exposer les gens. J'ai dit, elle, comment elle fait ça? Elle dit, papa, maman, c'est qu'elle peut dire, le scanner t'a prévenu. Elle est arrivée à un niveau de ce n'est pas cela. Tout est en toi. Connecte-toi ton divin, tu vas voir. Man. Tu dis à Dieu, invoque-moi. Il dit, invoque-moi, je te répondrai. Maintenant, tu l'invoques, il te répond. Maintenant tu as peur. Maman Manu, c'est un esprit, c'est pas esprit. Ne voyez pas tout en esprit. Il y a un bon esprit et un mauvais esprit. Donc ça peut être un bon esprit. Donc, ami bien disait d'ailleurs, c'est très important de parler de ces choses. Il y en a, hein, il y a plus de 24 recettes que je vous donnerai pour toutes ces histoires de retour à l'envoyeur, hein, des forces de mal et tout, parce que vraiment on est fatigué. On est fatigué, vraiment très très fatigué. Donc, c'est très important de parler. Et vous pouvez également, comme je disais, la pierre de tonnerre. Ah, my God. Beaucoup me demandent, papa Manu, la pierre blanche dont vous parlez, c'est quoi? C'est pas papa Manu qui a crié, ça vient du ciel. J'ai compris la puissance de cette pierre quand une de mes filles, ça fait déjà 2 ans, 3 ans, l'enfant a grandi, elle vit en Suisse. Elle n'enfantait pas. Je le dis toujours, la pierre. Et même le retour à l'envoyeur, c'est sa spécialité. Là, voilà. C'est pourquoi on appelle la poudre blanche. Voilà, c'est ça. Là. Ça, la petite comme ça, tu ne gagnes pas. Je te donne 100 000, je dis, va me chercher ça, tu ne trouveras pas. C'est des vieux du village, des vieux qui sont dans les plantations. Quand le tonnerre frappe, je suis allé au Bénin, on m'a donné un, c'est rond, on a fait quoi. Non. Parce que la pierre, tu ne peux pas savoir le nombre d'eau qui va quand il pleut. Combien d'eau va couler quand il pleut? Non, il n'y a que Dieu. Personne ne peut te dire l'eau va couler. Comme il pleut là, nous aurons 1000 litres d'eau. Non, personne. Il n'y a que Dieu, la divine nature. Donc, c'est du miracle. Et on prend ça sous forme de bain, et de fumigation. Lui là, ce n'est pas compliqué. C'est toujours ça de quoi l'envoyer. Tu prends une bouteille d'eau minérale vide, tu coupes la tête comme ça. Ça devient ton seau. Tu coupes là comme ça. Après le bain, il faut commencer un samedi. Surtout lorsque la lune est décroissante. Aïe, ma mamie. Tu coupes. Après avoir pris ton bain, tu formules tes vœux. Que tous ceux qui ont pris mon nom. Vous savez que le tonnerre, ça ne manque pas. Hein? Le tonnerre, ça ne manque pas. Il faut aller au village, tu demandes au village, un villageois que tu as le secret du tonnerre. Et si tu me nages, je t'envoie le tonnerre. Non, lui là, c'est la magie. C'est plus que le missile Satan de Poutine. C'est oh my God. Donc, tu coupes, tu mets de l'eau, tu prends juste une épaisseur, tu mets dedans. Que tous ceux qui ont pris mon nom, qui savaient que ce soit mon père, ma mère, tous ceux qui ont pris mon nom pour aller faire, pour me donner cette maladie dont je souffre, pour oh, la peau, ça peut faire j'ai la chair de peau. Que le mal sort et que ça allait retour. Tu finis de te laver, tu prends maintenant. D'abord, tu prends, tu te laves d'abord le bras gauche, après le visage, tu te laves tout le corps. Tu attaches un paille de couleur blanche, surtout s'il est neuf, tu attaches. Maintenant, tu t'assois, ça se sert sur toi. Pendant ce temps, tu allumes ton charbon. Le charbon est déjà prêt. Le charbon africain, pas les pastilles de charbon qu'on vous vend là. Mais ton charbon est déjà fait, 4-5 morceaux par coup. Maintenant tu mets le charbon au sol, notamment dans ta chambre. Tu arrêtes le ventilateur, le climatiseur, tu arrêtes.
tu fermes la porte de ta chambre et tu ouvres la fenêtre ou les fenêtres de ta chambre. Te voilà, l'ascenseur au sol. Tu mets ça et tu es debout. L'ascenseur est entre tes deux jambes. Tu prends donc un gros gars qui te couvre. Tu mets et tu formules des vœux. Que tous ceux qui ont pris mon nom, en utilisant l'air, la terre, l'eau, qui ont pris le feu, que ce mal sorte et les retourne. C'est comme ça, du samedi à samedi. Lorsqu'elle a fait ça, elle ne croyait pas, elle croyait que c'était abusement. Le troisième jour, elle est restée, elle saignait. Elle avait des écoulements parce qu'elle n'enfantait pas. Et quand c'est comme ça, les blancs les aiment ça. Elle sortait avec blanc. Le blanc est d'accord. Lui s'en fout. Il s'en fout. Hein. Ah, le blanc était content. Maintenant, ça a commencé. Le nettoyage. Les eaux puantes, ça sortait. J'ai moi-même, souvent quand il pleut, je prends le coup de laver les yeux pour les purifier. Parce que l'oreille même, je mets le miel, je tourne, je nettoie, parce que je vois tout, je regarde tout. On me parle les oreilles. Je dis, ouais, Dieu, travaille là, tu ne vois pas, c'est pour papa. Ouais, oh my God. Voilà. Donc, ça, comme ça, ça a commencé avec des choses que je lui avais envoyées, les dépositions, les plantes, et pour finir, elle est tombée enceinte. Le blanc dit, je ne veux pas, il faut avorter. Il dit, tu sais, dans la galère de ça, tu étais. Tu vois, tu as vu ce que tu as vu, donc toi, tu étais comme un arbre qui ne produit plus. Comme on dit le figuier, tu ne produis plus. Donc, elle dit, il te prend quand il veut, parce qu'il n'a que toi, tu es un corps sans danger. Parce qu'une femme, le corps avec danger, ça veut dire, si tu fais mal, elle tombe enceinte. Donc lui, il était content, il y a son mot, et maintenant la grossesse est venue, là, c'est pas moi. Il faut enlever ou sinon on divorce. La fille a dit, si tu veux pas, Dieu m'a donné. Et je crois que c'est une fille. Aujourd'hui, elle doit avoir 2 ans. Il faut que je demande même ses ouvrages. Ma fille, si tu m'écoutes, beaucoup viennent pour une cause. Et l'autre sachant, on dit, ne t'attends pas à la gratitude du monde. Fais le bien et avance. Beaucoup viennent parce qu'il rêve mal. Beaucoup viennent parce qu'il n'a pas de boulot. Le jour là, son boulot, basta. C'est normal. Je suis comme un crin. Voilà. Le crin que tu vois, où tu as, quand ta destination arrive, tu descends. L'autre a. Parfois même le crin passe, tu refuses. Tu dis non, le crin est trop vieux. Je dis ok, comme il est vieux, bye bye. Tu vas rester là-bas un an. Tu n'auras plus de crin. Donc je suis comme le clair. Donc quand même en sortant, vous me dites, ah papa, maman, merci. C'est comme cette dame, je vous parlais de cette dame qui m'a envoyé 200 euros. C'est aujourd'hui, maman. Ouais, même le bonjour, là, j'ai mis ça dans la chambre. 200 euros. Je vous ai dit ça, elle m'a envoyé, c'est aujourd'hui, j'ai eu ça. Et donc, les dames sont venues me donner un sac de 100 ou 50 kilos pour les orphelins. Je vais prendre ça comme ça. 3 kilos, je mets les sachets de 3 kilos pour les hommes, 4 kilos pour les femmes. Maintenant, on va aussi acheter le lait pour mettre pour accompagner. 500. On distribue d'abord ça au petit mon mendiant. J'ai dit, madame, formule tes vœux. Si après ça, après 21 jours, Dieu n'a pas suscité un corbeau financier pour venir résoudre tes problèmes financiers. Dieu n'a pas suscité un corbeau sentimental pour venir résoudre tes problèmes sentimentaux. Dieu n'a pas envoyé un corbeau mystique pour venir enlever toutes les maladies. Dis, papa, maman, tu es un menteur. Le donner précède. Quand elle m'a donné, j'ai vu ça, j'ai dit, hey! La femme l'a touché le cœur de Dieu. Oh, d'accord. Oh. Tous ceux qui sont passés au bureau, le sang derrière là. Elle dit, papa, maman, je suis venu parce que le 17, je ne sais pas. Si je vois encore les moyens, Dieu m'a donné les moyens. Je dis, je pense à ces orphelins. L'homme là, il y a quelque chose là, bien d'abri. Papa, maman, je suis venu. Elle m'a gardé un bon chocolat, c'est vous-même. Oh, my God, quand je parle, j'ai lâché le pour. Vous, ça comme ça. Quand elle m'a dit, je dis, ah, c'est toi qui as mis, j'ai baissé les yeux. Elle ne savait pas que j'étais en train de prier à cet instant. Je la voyais illuminée, je voyais comme un homme, je venais. J'ai dit, my God. Et donc les femmes qui ont vu ça, elles disent, mais papa, maman, tu achètes depuis quand tu achètes ça guéri. Je dis, ah, mais je n'ai pas acheté un seigneur dans le venu, je dois rendre, on doit visiter les orphelins le 17. Donc elle est venue, elle m'a dit, ah, j'ai eu un peu d'argent, grâce aux petits atouts que tu bouges, je fais là, papa, maman, voilà le sac guéri. 50 kilos.
50 kilos de maladie et de ta souffrance sur 52 kilos vont se dégager dans ta vie à venir. Et quand on part dans un orphelinat en rentrant, vous pensez que ces enfants-là disent quoi? Surtout quand on demande, prier pour les papas, les tontons qui sont venus. Les anges, les enfants. Nous étions comme eux. Et demain, ils seront comme nous. Ouais. Il dit, ah, que Dieu te bénisse. Ils sont purs, ils sont sensitifs, ils sont sans péché. Les petits gamins, la dernière fois, je suis resté. On dit, ah, papa. Comme tu le père des orphelins là, hein, papa, la fille ici, sa maman l'a jetée dans un égout. Le bébé avait à peine deux semaines. Quand j'ai porté l'enfant, vous savez, on ne va pas dans les maternités pour rien. Quand vous avez des petits problèmes, hein, le fait même de porter l'enfant, ça vous nettoie. Mais vous n'avez pas encore compris cet mystère. Voilà. Donc, ami bien d'ici d'ailleurs, le 17. Mais la soeur qui vient de Libreville m'a dit, papa Manou, le 17, je serai dans l'avion le matin pour rentrer. Mais je suis venu, je visite les orphelins. À quel moment? Je dis non, on va faire quelque chose le vendredi. Voilà, et ce que tu vas laisser le samedi, ah, il y a ça, je crois, je suis conscient. Parce qu'elle rentre le 17 matin, et c'est le 17 matin, je vais aller voir les orphelins. Mais elle a 8 heures. Donc je pourrais aller voir les orphelins à 10h. Je l'accompagne à l'aéroport, après, comme il y aura une voiture à notre disposition, après ça, rapidement, je vais à l'orphelinat pour voir les enfants de Dieu. Voilà. Donc, amis bien d'ici d'ailleurs, nous allons également vous donner une petite recette du puissant sucre incroyable. Il suffit de prendre un sel gros grain. Le sel gros grain. Un seul gros, un morceau, un. Vous tenez sa main. Vous avez également les arachides, surtout les arachides du village. Ouais, on trouve les arachides du village. Tu prends aussi ça, un, tu mets. Il y a ce qu'on appelle généralement le caillou jaune, mais en haute spiritualité, on appelle ça le soufre. Voilà, il est très jaune, il est tellement puissant. Je le conseille toujours aux miens. Hein, chaque fois que vous rendez ça en vous, chaque fois que vous sortez de chez vous, avant de sortir, la première des choses, vous devez prendre ça dans votre pied gauche. Hein, le soulier pied gauche, vous mettez dedans, hein, à l'intérieur. Pied droit, vous mettez. Et chaque fois que, en journée, vous vaquez à vos occupations et vos pieds sont dedans là, ça va. C'est un aspirateur de mauvaise énergie, d'une puissance incroyable. Les mamans utilisent ça au village pour traiter la terre au village. Ça joue beaucoup de rôle. C'est Dieu qui a créé. Ça sort de la divine nature. Donc vous prenez ça. Ça fait dans les trois éléments. Cherchez donc un tissu. Hein, un tissu de couleur ou comme ça. Voilà. Et vous allez mettre ça. Un tissu de couleur rouge. Vous faites un peu comme ça. Vous mettez ça. Et vous faites pour vous. Voilà. Vous faites pour vous. Mettez ça chez vous. Ouais, mettez ça chez vous. Trop de viande dans la sauce, ne gâte pas la sauce. Ah, si tu viens qu'on a mis l'escargot, on a mis la viande de lièvre, trop de poisson ni de viande dans une sauce, ne gâte pas la sauce. Tu mets ça sur toi. Celui qui a le cœur, il n'a qu'à t'attraper. Voilà, il n'a qu'à essayer, il va lire l'heure. Donc, ami bien d'ici d'ailleurs, il y a tellement de recettes. Donc, on ne peut pas tout donner aujourd'hui, hein, mais je donne les petits recettes que vous pouvez prendre, hein, vous pouvez utiliser, voilà, sans aucun problème. Maintenant, ceux qui sont, par exemple, au nord, hein, surtout au nord du Cameroun, on trouve beaucoup cet arbre. L'arbre-là, c'est comme l'éléphant des arbres, on appelle le baobab. Lui, quand il n'a pas vécu, là, c'est 100 ans. Donc, cherchez aussi les feuilles de baobab. Pour ceux qui sont à Kourougou, il y en a plein là-bas au nord de la Côte d'Ivoire, à Kangwa, dans où vous allez trouver le baobab. Il est là, balèze comme ça, il ne bouge pas. 150 ans, 200, il est là, il ne meurt pas. Donc, trouvez donc les feuilles. Vous allez au pied des baobab, vous trouvez les feuilles de baobab qui sont tombées d'elles-mêmes. Voilà, vous prenez dans une quantité que vous voulez. Alors, cherchez donc une bouteille. Vous pouvez donc trouver une bouteille en verre,
Une bouteille en verre, voilà, ça en verre, une bouteille en verre. Hein. Verre cassable, bien sûr. Parce que le verre, c'est fait avec la terre, vous voyez. Donc vous prenez cette bouteille-là, voilà. Qu'est-ce que vous faites? Vous prenez ces feuilles, hein, vous mettez, prenez la quantité que vous voulez, vous mettez ça dans cette bouteille en verre. Il faut que la bouteille ait couvert. Voilà, vous mettez ça dedans. Et le lendemain matin, donc si vous le faites comme aujourd'hui, et les jours, les bons jours pour faire ça, soit mardi, soit samedi. Et surtout si la lune est de croissance, ça va très bien. Donc vous déposez ça dans votre chambre. Le lendemain matin, les premières paroles qui sortent de votre bouche après votre réveil doivent être des paroles sacrées. C'est pourquoi il y a beaucoup de mantras qu'on récite lorsqu'on vient de se réveiller. Parce que ce que tu dis, ce que tu donnes à la nature, parce que tu vois quand on dort, hein, vous pouvez ne plus revenir. L'âme sort, l'âme peut ne plus revenir. Vous voyez? Maintenant, bien vous prouver que vous êtes décédé. Si c'est un mort naturel, il n'y a pas de problème. Alors, quand la mort a été une mort subite, suite à un accident, vous voyez, il y a un saignement. Le sang va couler quelque part, soit par les doigts, les narines. Parce que le retour de l'âme a été accidentel. Donc, pourquoi? Parce que, surtout quand c'est les sorciers qui opèrent, ils coupent le nombril. Parce que votre nombril, c'est ça qui vous attache à l'âme. Le nombril, là, quand vous dormez, vous dites, ah, j'étais aux États-Unis, j'étais là, au Rouen, j'étais là, j'étais là. Donc, moi-même, mon âme, là, marche beaucoup. Dans la nuit, là, mon corps marche beaucoup. Et ça va là où on le sollicite, les anges, les êtres de lumière prennent mon corps pour venir vous aider. Une femme a vu le petit papa, maman, je t'ai vu dans ma maison, tu es venu, tu as dit, sors! Sors de chez moi, je sors, sors, je ne veux plus que tu restes, j'ai commencé à balayer. Donc ça veut dire, je suis venu dans ton corps pour te nettoyer. Voilà comment Dieu utilise mon cœur. Vous voyez, c'est là, c'est les indices qui montrent que ce que je dis est vrai. Je ne vais jamais vous dire, d'aucuns sont partis, dit que non, j'adore les esprits de l'eau. Quel esprit de l'eau? Tout ce que vous donnez là, c'est la divine nature. Ce que je parle là, feu de baobab, ce n'est pas moi qui ai créé. Parce que si j'envoie les feux, on a dit non, mais je ne peux pas créer un arbre, je ne peux pas. Hein? Donc si je disais que non, c'est chaud, non, non. Ou aller au bord de la mer à minuit, une heure, ah ah, vous dites, mais monsieur, là, comment nous avoir aller faire des rituels au bord de la mer? C'est suspect. Jamais je vous dirais, aller à la mer prendre le sable de la mer, l'eau de la mer, vous avez aussi des coquillages, tout ça. Vous pouvez parler à la mer lune, à la mer, autant pour moi, à la divine eau, voilà, pour vos nettoyages et tout. Parce que même le sable, là, ça va vous aider probablement à. Le sable de mer, ça a des vertus magiques incroyables. Et je dis bien incroyables. Surtout pour ceux qui ont des commerces difficiles. Autant on ne peut pas compter le sable de mer, le sable, autant il vous sera difficile de compter les clients qui viennent dans votre. Dans votre boutique. Donc, ami bien d'ici d'ailleurs, comme je disais tantôt, le matin quand vous vous réveillez, arrêtez vos histoires de portable. Celui qui ne connaît pas encore Dieu dort avec le portable. C'est un élément dangereux. Quand vous avez utilisé, l'heure d'arrivée, c'est le sommeil. C'est un être humain. C'est l'homme, parfois même c'est 10 ans. Parce que vous êtes dans le groupe. Tel écrit bonjour, ça signe pépé. Après, l'autre répond bonjour, bonjour. Pendant ce temps, mais ton sommeil est où? Le sommeil, là, au moment où tu dors là, c'est, tu ne dois pas avoir de corps étranger. La télévision est un corps étranger. Le portable est un corps étranger. Tu as fini d'utiliser, c'est l'heure d'aller dormir. Vas-y, mets le portable hors de la chambre. Ah, maman Philomène Koulibaly, Opti, Latte, Enim, Irish. Voilà, comme je disais tantôt, très tôt le matin, il y a des mantras qu'on recite. Je suis richesse, je suis argent, je suis santé. Je me lève le matin après avoir fait vos prières. Je bénis le Dieu de mes pères, le Dieu de mes ancêtres, le Dieu créateur du ciel et de la terre, de m'avoir accordé ce jour, vraiment, que ma journée de journée, tout ce que tu peux dire, le Dieu de mes pères, de ma maman, de mon père, de mon grand-père, tout et tout. Je les invoque cette journée. Vous devez être devant moi comme un guerrier puissant pour conclure mes pas. Derrière moi comme un mur de protection pour vous protéger. Vous allez à ma gauche, à ma droite. Voilà. 10 000 tomberont à ma gauche. 50 000 à ma droite, j'avancerai. Voilà. Je vous confie ma journée d'aujourd'hui. Amen. Ou bien, oum. Voilà. C'est toujours pour dire Amen. Amen. Voilà. Donc, vous à jeûne le matin,
comme je disais, vous ne parlez à personne. Vous prenez vos premiers sourires du matin, les premiers sourires du matin, d'une puissance incroyable, d'une puissance incroyable. Vous urinez dans la bouteille et vous fermez cette bouteille. Et my God, prenez la bouteille, vous la déposez en bas de vos pieds. Oh, 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 oh. Quiconque, j'ai dit quiconque, quiconque tente de dire papa, maman, je vais un peu essayer. Aïe! Non, 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 non. Aïe! Il reçoit la décharge 10 000 fois. 10 000 fois. La Bible dit c'est d'ailleurs. Donc, c'est une recette d'une puissance incroyable. Le feu de baobab tombé d'elle-même, ramassé au pied d'un baobab. Vous prenez, vous mettez dans une bouteille, en verre, cassard, avec couvercle. Vous la déposez. Toutes les feuilles là, vous prenez, vous mettez, vous déposez. Donc, il n'y a pas d'eau dedans. Bouteille vide avec les feuilles de baobab tombées d'elle-même. Ce sont des recettes qui sont ancestrales. Tu vois, au nord de la Côte d'Ivoire, c'est versé, au nord du Cameroun. Parce qu'il y a, comme il y a le baobab, il aime trop le soleil. Donc, comme c'est des zones. Le nord, même en France, je crois que Marseille, au nord, hein, au nord de la France, ils sont trop. C'est des gens trop chauds, 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 chauds. C'est à cause du soleil. Hein. Même le Marseille, ils sont trop chauds, trop chauds. Je ne sais pas où c'est Marseille. Bon, bref, ça m'importe que connaître où se trouve le nord de la France, tout ça là. Les villes du nord de la France, ça ne m'importe pas. Donc, au nord, vous allez trouver facilement le baobab. Voilà, vous prenez dans les feuilles qui sont tombées d'elles-mêmes, vous mettez dans une bouteille et vous fermez une bouteille avec ça. Arrive chez toi, tu laisses poser quelque part. Le lendemain matin, qu'est-ce que tu fais? Tu, sans parler à quelqu'un, voilà, tu prends tes premiers urines du matin, tu pisses à l'intérieur. Donc ça veut dire que la bouteille doit avoir, parce que ton lit, tes urines ne peuvent pas avoir plus de lit. Voilà, tu pisses et tu fermes, tu prends ça, tu déposes. Ouh, quiconque tente meurt en même temps. Ça, c'est, il n'y a pas de. Quand tu vois les vieux du village, ils tapent sa poitrine, ils savent sur quoi ils comptent. Ils dorment, ils savent sur quoi ils comptent. Vous voyez, avec bien dit, donc, demain, pas demain, lundi, je vais continuer avec la bougie noire, l'huile d'olive, voilà tout et tout et tout. Maintenant, les élus de Dieu, les élus du groupe, autant pour moi. Moi, vous êtes des élus de. Voilà, voilà cette courbe-là. Hein. J'ai déjà derrière les premiers échos. Voilà. Avec l'huile d'olive, ça devient votre. Il y a un vieux du village que j'avais rencontré, un vieux malien, et qui m'avait dit, normalement, les vieux sages du village, ils se lavent rarement. Hein. Au village, nos pères-là ne se lavent pas tous les jours. Vous savez pourquoi? Mais malheureusement, vraiment, le monde au-dessus de l'Occident, vraiment, c'est la magie. On vous voit, non, papa, papa, je ne peux pas me laver sans l'eau chaude. L'eau chaude n'est pas bien pour vous. C'est pas bien pour vous. Même quand tu fais les ordres, quand l'eau sera tiède, tu prends pour te laver. Parce que ce sont des bains spirituels. On a un peu besoin de chaleur. Mais en tant que normal, tu n'as pas de bain spirituel. Évitez de vous laver avec l'eau chaude. Je ne sais pas vraiment vous souffrir. Le meilleur continent au monde, l'Eldorado, le paradis dont on parle là, c'est chez vous en Afrique. Abénédicé d'ailleurs. À quelle langue je vais vous parler? C'est l'Afrique. Ce que vous entendez, Afrique, là, c'est nous, le paradis. C'est là Dieu a commencé. Ils vont dire Dieu, là, c'est ici chez nous. L'eau chaude. Non. Tu vois comme un enfant, il y a de 8 ans, l'eau chaude, l'eau chaude. Il est là debout. Il n'est pas chaud. Hein? Ça affaiblit vos corps. Ah, je ne peux pas me laver avec l'eau chaude. Ah non, la confiance, on n'a pas le faux l'eau chaude. L'euro, oh my God. Oh l'euro, oh, oh. Mais ils sont obligés, eux, vraiment. Quand je reçois les bénédictions qui viennent là, j'ai dit Dieu, j'ai dit si je pouvais même, il faut que je commence à laver vos pieds. Quand vous venez les bénédictions là, je vais commencer à laver vos pieds et vos mains. On lave ça avec des huiles et tout. Je dis pas. Parce qu'elles sont au front. Et malgré tout, quand elles se battent, elles dorment, elles vont faire tout ce qu'elles font, des travaux qui ne sont même pas, comme dit, des travaux qui ne sont pas humainement, africainement, qui ne sont pas possibles à faire. Parce que toi-même, ton grand-père ici en Afrique, là, s'il fait caca, là, tu ne peux pas le nettoyer.
Tu ne peux pas. Donc, dans peu, tu ne peux pas le déployer. Maintenant, à cause de l'argent, tu le fais. Maintenant, tu veux investir ta propre vie. L'argent que tu envoies à la soeur de ton fond, il prend ça et il te et la colère de Dieu sur vos vies. Vraiment, nous allons prendre des moments de jeûne pour toutes nos soeurs, nos frères qui sont en Europe, qui ont quitté l'Afrique pour aller se chercher en Europe. Que Dieu vous ouvre. Que Dieu vous ouvre les écrits du ciel pour que 2023, à l'instant, le même jour, à la même heure, que vous me dites, voilà mon témoignage, papa, maman, voilà 10 mois que j'ai compris. Parce que c'est lourd. Vraiment, vous me faites pitié. Ça fait pitié. Donc quand je vois mes églises qui vient, je regarde comme ça. Donc on m'a demandé, papa, pourquoi vous me regardez tout comme ça? Tu es femme de moi, je dis non. Je regarde le prix de ta souffrance. Et dans tout ça encore, tu as envoyé l'argent. On a pris cet argent pour te maraboter. Papa, maman, on va faire comment? Je dis laisse. Dieu pourra. Que Dieu vous bénisse. Hein? Que Dieu bénisse vous-même. Purifiez-vous de temps en temps, mes frères, mes soeurs de la diaspora. Vous qui ne dormez pas, quand vous êtes dans vos vécos, pour aller vous chercher. Vous soutenez vos familles respectives. Et dans ça, il y a des abus de confiance, des abus mystiques, spirituels. Les gens vous attaquent. On dit, ah, c'est l'enfant de tête qui a créé confiance, cette émeute. Elle qui est partie hier, il y a un homme là. Oui. Oh, mais Lord, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous inonde de toutes ses faveurs. Il y a une fin dans toutes choses. Rancœur, nos terres africaines sont encore là. Vierge. Vierge. Dimanche, nous allons continuer. Comment vous pouvez faire le retour à la voyeur avec les bougies noires, avec l'huile, le charbon africain, le balai africain, tout ça, là, nous allons parler lundi dans notre prochain dimanche. Maintenant, je ne dors pas, hein, je m'en vais encore travailler. Maintenant, des scanners qui ont été déjà faits. Voilà l'autre là, ton avis que tu avais donné à décembre passé. Quelqu'un a pris ça parce que tu étais très content. Bénice, je rentre. Mon ami, il a trop porté. Ils ont pris ça. Même Phil d'abord, Phil. C'est pas pour la vie, hein. Parce qu'il y en a à qui je parle. Il dit non, papa, je ne recoupe pas. Même Phil. Enlevé comme ça. Là. Voilà la vie dont j'ai porté. On vient, on enlève Phil comme ça. C'est insuffisant pour aller t'attacher. C'est suffisant. C'est pourquoi je vous dis toujours prenez coiffeur de laurier. On ne sait jamais où. Contre les histoires de sorciers, il y a plusieurs techniques. Comment faire contre la prière, les psaumes, les rituels? Coiffer de laurier non perforé, non déchiré. Tu prends un stylet noir, tu écris ton nom, Manou de la vie, première feuille. Deuxième feuille, Manou de la vie. Manou de la vie, Emmanuel. Donc, mon nom et mon prénom. Les coiffeurs, le nom que tes parents t'ont donné, ne peut pas les noms d'après. Là. Tu prends ça, tu mets dans ton corps. C'est tout. Parce que généralement, c'est ton nom. Ça protège, ça barricade ton nom. Ils te cherchent, ils ne te verront pas. Ils font, ça, c'est l'eau. Ah ben, le gars est puissant, hein? La vie est puissante. Hein? Oui, parce que tu es connecté à la divine nature. Que Dieu vous bénisse. Que tout sorcier qui a pris ton nom pour faire du n'importe quoi meurt dans les 72 ans après ce direct. Oui. Ben, quelqu'un n'a jamais goûté, hein? La sorcellerie, peut-être il y en a qui n'ont jamais goûté. Quelqu'un a 10 millions, il achète une voiture à 5 millions. Les problèmes qui sont sur la voiture, il a déjà dépensé 15 millions. Comment vous pouvez expliquer ça de vous avant? Voiture, je l'ai acheté 9, 5 millions. Maintenant, je ne fais que dépenser l'argent sur cette voiture. Quand je compte 5 millions, j'ai encore déjà dépensé près de 8 millions, 9 millions. Vous pouvez expliquer ça comment? C'est toujours comme ça, la prodigalité, l'argent ne reste pas dans votre main. Il y a les jujubes qui sont là, il y a beaucoup de recettes que nous allons vous donner. Ton banque là, on a fermé. Un gars vient dans ta vie, tu le sais tout, il a cassé tous tes ressorts en bataille, il prend ton dessous. Ah, comme je parle, aucun homme ne peut plus te toucher. Aucun homme ne... Il a menti. 72 ans après, le rituel va mourir. On va enterrer la vie, va continuer. Ah, est-ce qu'il voulait ton bonheur? Tu lui as tout donné, reçoit, il a tout cassé. Position, même tu n'as pas mangé, il vient ici, tu dis, voilà mon nom, tu sais. Après, maintenant, pour maman, je suis fâché. Et là, il a brûlé ton caleçon, il met ça dans sa veste, il s'en va avec travailler. J'ai juré que tant que je suis, non, 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 non.
Si tu as envoyé, fais ce qu'a déjà envoyé, tu n'as pas. Prends ton billet d'avion, tu viens ici au Cameroun. Le jour où tu dors dans mon sang, 3 jours après, s'il n'y a pas de livrant, dis papa, mon Joseph, mon Dieu. Pourquoi? Il y a quoi? Tu aimes, tu as des problèmes. Tu n'aimes pas, tu as des problèmes. Il y a quoi finalement? Il faut se barricader. C'est de ça qu'il est question. Les prières, oui, il y a même des sortes d'appelons. Beaucoup, il y a beaucoup de prières, de sortes et tout. Moi, j'aime beaucoup les sortes. Du roi David. J'adore. Ce sont des mantras, en fait. Voyez? Voilà, voilà l'escalier. J'ai tout. L'autre, maintenant, on a pris pour vous, voyez, le foyer, les feux traditionnels. Là où on prépare les riz, les sauces, tout ça. Hein? Maintenant, ils viennent en bas les enterrer. Chaque fois qu'on allume le feu, bon, des têtes, tout. Aïe, papa, ma tête. Dès qu'on allume le feu, on est en train de préparer ta tête. Ouais, ma tête, quand ça finit, ouais. Si on vient encore chauffer l'eau, la nourriture, ta tête, c'est ça qui va te tuer. Faut briser ça. Le scanner va monter. Oui, donc, ami bien dit, c'est d'ailleurs, le scanner est là pour vous montrer ce qui ne va pas. On n'est pas là pour réciter ta vie. Ah, 2022, tu avais, 2019, là, tu avais, j'ai fait sur une fois. Ça te sert à quoi? Ça ne te sert à rien? Donc, que Dieu vous bénisse abondamment, que Dieu vous inonde de toutes ses faveurs. Mon ami, au nom de me aïe, ça ne me manque jamais. Ouh, l'aïe. Comment tu peux neutraliser même ton ennemi avec l'aïe? C'est possible. Quelqu'un que tu sais déjà que vous ne vous entendez pas, que tu montres l'erreur, il va te donner ma catapi. L'aïe, tu le neutralises. Tout ce qu'il fait là, ça ne bouge pas. Ça ne bouge pas. Dieu a tout créé. Oh non, il a tout créé. Tout est bête. C'est l'ignorance. L'ignorance. Donc, sur ce, je vais vous laisser. Mes filles, non, mes représentants, vous êtes gâtés, papa, vous êtes tué ce mec. 2023, ça donne 2. Le chiffre 7. 7. Et là, j'ai money good. On dit c'est un mec. Là, j'ai été mec. Ça sent bon, hein? Oh, pas joli. Je te donnerai les villes et les nations dont tes doigts n'ont pas bâti. Voilà, mes représentants, j'ai promis ça, ou pas encore. Et voilà, et la pierre de tonnerre. La pierre de tonnerre, toutes mes représentantes auront. Chacune aura une pierre. Quand tu sors, mets ça dans ta bouche. Valentine Soumbo, tu as où te plus? Hein? Tu as fui ton papa. Les livres sont là. Voilà, j'ai eu le prix des livres, c'est 10 000 francs. Voilà, c'est 10 000 francs. Mais pour le moment, je n'ai que 5. Il semblerait qu'on va m'envoyer. Il y en a déjà les réservés. Papa Manou, garde-moi un livre. Oh my God. Voilà, c'est ça, la thérapie spirituelle. Thérapie veut dire ce qui te choque. Je suis en direct, tu peux appeler 227. C'est l'indicatif de quel pays ça. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous donne de toutes ses faveurs. Donc, faut pratiquer à la jolie. Vraiment, sa première samedi du mois, allumez vos bougies noires. Elle a vu une bougie, ça prend les formes de sandalettes. Non, c'est une autre femme qui a fait ça. Les pieds de quelqu'un. J'ai demandé, tu as un problème au niveau de ton pied. Oui, papa Manou. Mais comment tu sais? Mais la bougie, mon monde. La bougie, mon monde. Tu as un problème, oui, ça que ton pied là, tu avais pétillé quelque chose. La bougie noire. Pied comme ça. Non, Dieu, non. Toi, Dieu, que Dieu vous bénisse. C'était Papa Manou. Voilà, votre fidèle et humble serviteur de l'évangile des temps modernes en Bouy. Voilà, c'est de ça. Irène Fakab, visite à Sago. Voilà, 2022 ne finira point sans que je sois encore endetté avec des histoires de scanner. Parce que je veux aussi aller m'amuser. Je veux prendre une semaine de repos, je suis au bord de la mer. Tous ces portails-là, je vais laisser. Je serai plus jovial. Seuls mes élus et mes filles, mes représentants, seront où je dors ou là où je me trouve. Parce qu'il faut que je me repose. Je marche avec le sommeil. Que Dieu vous bénisse. Mais tout ça pour une bonne cause. Papa, j'ai pas eu la poudre. Quelle poudre? Voilà, Flo Aimé.
Voilà, Brigitte, il fait froid même ici, il fait chaud. Ah, voilà, nous on voulait la chaleur pour tuer tous ces gens. Lorsqu'on rentre chez nous, c'est seulement le dehors là, c'est grave. Voilà, Patricia, la fille de Sion. Régis Mendez, au Canada, le chaud est obligatoire, papa. Ah, ben oui, mais qu'est-ce que je veux? Moi, je vais au Canada, je ne peux pas voler avec eux. À cause de quoi? Ah oui, comme vous avez vos histoires de l'hiver et tout. Mais c'est aussi une punition. Hein? Un pays là-bas au Canada, sur 12 mois, il y a l'hiver près de 8 mois. Vous voyez, nous ici en Afrique, oui, en Afrique, ouais, mon pays est le continent d'Afrique. Ah, pourquoi on ne peut pas faire un passeport africain? Là, je quitte ici, je dis, j'ai mon passeport, je m'en vais en Mauritanie, je reste là-bas, il n'y a plus de histoires de visa. Non, c'est chaque jour, je fais chaque jour, je voyage. Parce qu'il y a tellement de richesses que tu vas arriver ici, tu vas voir la puissance de Dieu. Tu viens ici, en Égypte, au pied du Nil, tu vas voir ceci, de la pyramide. Oh, tu vois Burkina Faso, tu vas voir les. Oh, mais c'est merveilleux. Cette sécheresse, tu vas voir les pétales, comme on achète ici à 50 000, là-bas c'est 2 000, il n'y a même pas preneur. Tu vois, quand tu vois, c'est des belles femmes, c'est la lagune, tu vois au Mali, tu vois au Bénin, voilà, à découper au Bénin, au marché de Krakba au Bénin, tu vas voir l'ancestral, tu vas voir l'humanité, le Bénin, oh là là, au Togo, tu vois, Mauritanie, au Sénégal, hein, l'Afrique. Bon, nous sommes en Coupe du Monde, mais vraiment, ça je ne parle pas. Le football n'a jamais développé. C'est pourquoi vous voyez, je ne suis pas bon dans ce jeu. Je ne regarde pas la télévision. Même si on reprend remporter la Coupe du Monde, ça ne nous servira à rien. Le Cameroun remporte l'Égypte, ça ne nous avancera à rien. Rien. Même si on prend 10 000 Coupes du Monde, ça ne change rien sur le développement de l'Afrique. Et le développement de l'Afrique passe par notre retour à nos sources. Parce que nous sommes dans la vérité, c'est nous Dieu. L'homme à qui, le premier homme à qui Dieu a parlé, c'est ton ancêtre, le mien. Il est africain. Donc je me sens bien, je suis sur la terre de mes ancêtres, je suis à l'aise. Même sans manger, je prends cette terre, je dis la terre de mes ancêtres. On dit terre de tes ancêtres. L'Américain aussi va dire terre de mes ancêtres. L'Ivoirien dit voici la terre de mes ancêtres. Parle de cette terre. C'est tout. Voilà. À mercredi, il n'y a pas que dans San Patchouli. Je dis, c'est pas beaucoup. Je donne ça aux miens. Je vous ai déjà dit comment on peut faire. Il y a de l'essentiel. C'est aux élus. Les élus de Dieu, les élus du groupe, allez chercher. Voici ça. D'abord, je vais filmer ça pour que vous voyez. Il y a une différence. Parce qu'il y a le faux. Voilà. Le rituel que j'ai publié là. Avec basilic en poudre, là. Tu fais ça 72 heures après, l'argent te chicote. C'est tout. Bon, sur ce, je vais vous laisser. Bonne nuit à vous. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous inonde de toutes ses faveurs. C'était Manu de la vie, votre fidèle humble serviteur de l'Évangile du temps. Bye. Merci.